Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Henri. Tu vas bien? Comment s'est passée ta journée? J'espère que tu as faim. Je t'ai réchauffé le curry d'hier que tu as trouvé si bon.
Oui, allô? Oui. Tu vas bien? Tout se passe bien? Alors, je t'ai laissé ton livre sur la table de nuit avec tes CD préférés. Mais oui, tu vas t'en sortir. Du coup, je vais rentrer vers 20h comme d'habitude. Mais non, je peux pas rentrer plus tôt. Bon, tu voudrais manger quelque chose de particulier? Mais non, je vais pas oublier tes médicaments. Allez, à ce soir. Je t'embrasse. Bonsoir, tout le monde. Ça te dit d'aller boire un verre? Non, je suis crevée, j'ai rien mangé de la journée, je préfère rentrer faire à dîner. Mais je connais un très bon italien juste à côté, ça te dit. Allez, je t'invite. La journée a été dure. C'est bien de prendre un peu de temps pour soi. Non, c'est gentil, Bérénice, mais pas ce soir, je peux pas. Bon, tu dois avoir quelque chose de très bon à te faire chez toi alors. Tu sais, quand on vit seul, on cuisine peu. Des petites attentions de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Ça lui fera plaisir.
15 ans de ta vie que tu vis cette même routine, Henri. Tu n'en as pas marre? Tu ne te sens pas seul? Non. Maintenant, je ne suis plus seul. Savoure ce moment, Henri. Je ne laisserai plus jamais personne seul. Ça va? T'as fait dormir? Vous êtes en retard, Henri. Excusez-moi. Que cela ne se reproduise plus. Ça fait la troisième fois depuis ce matin que je vous surprends en train de faire autre chose. Concentrez-vous maintenant. Et vous, Bérénice? Vous n'avez rien à faire? Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Thank you.
Henri, mais vous êtes encore en retard. Je suis désolé. Une demi-heure. Bon, asseyez-vous. Ce n'est pas tolérable. Je ne vais pas accepter ça, et d'ailleurs j'en parle à tout le monde. Bon, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai quelques petits soucis en ce moment et... Je suis désolé, mais... Justement, je voulais vous demander si aujourd'hui j'aurais pu partir plus tôt. Mais je suis juste aujourd'hui. Henri... Bon, c'est la dernière fois que je vous fais une fleur. Partez donc encore une fois plus tôt, mais vous avez intérêt à avoir fini ce dossier pour demain.
Henri, ce n'est plus possible, vous êtes encore en retard. Henri, qu'est-ce qui vous arrive? En 15 ans que vous travaillez pour moi, vous n'avez jamais faibli. Vous êtes un de mes meilleurs éléments. Vous occupez un poste clé dans cette entreprise. Je veux dire, sans comptable, cette société, elle ne peut avancer. Bon. Écoutez, est-ce que vous avez fini le dossier que je vous avais demandé? Non, j'ai pas eu le temps, je vous le rendrai demain. Tiens, Bérénice. Écoute, j'ai passé dans le coin et je me suis dit que ça te ferait plaisir que je ramène quelques bonnes choses du traiteur chinois, vu que tu cuisines peu. Oui, mais laisse-moi 5 minutes parce que mon appartement n'est pas présentable du tout. Ah non, mais ce n'est pas ça. Si, je préfère. Laisse-moi 5 minutes. Parle pas. Tiens, voilà ton pied noir.
t'ai entendu crier. Il y a quelqu'un chez toi? Non, il n'y a personne. C'est mignon chez toi. Tu me fais visiter? Si tu veux. Tu vas, c'est la cuisine. Là, c'est le salon. Dans le quartier, non? Oui. Ça m'arrive de me promener un peu. Tiens. Et tu avances avec ton dossier? Hein? Oui. Doucement. Et alors, ça fait longtemps que tu vis seul? Oh oui. Mais je me fais très bien la vie en solitaire, tu sais. Solitaire endurci, on dirait. Tu avais l'air un peu stressé ces derniers temps. Ça va en ce moment? Oui, ça va très bien, Bérénice. Pas s'inquiéter. Mais tu dois avoir quelqu'un dans ta vie en ce moment, non? Pourquoi cette question? Parce que ça fait des mois, tous les jours à 15h, tu passes un appel de la cabine à côté du bureau. Tu croyais que je ne t'avais pas vu? Non, mais ça, c'est ma mère, elle n'a pas coupé le cordon. Ah oui, d'accord. Et le baby call, c'est pourquoi? C'est un interrogatoire? Excuse-moi, je suis curieuse, c'est tout. Et pourquoi tu gardes cette porte fermée à clé? Écoute, Bérénice, j'aime pas du tout la façon dont tu t'insinues dans ma vie. Tu me caches quelque chose? Je te cache rien du tout. Tu me lâches, oui? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi si je t'ennuie. Fous le camp. Écoutons, mais ça fait 10 ans que nous travaillons ensemble. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Des mois que tu refuses toutes nos invitations. Je suis là pour toi. Si ça ne va pas, tu peux compter sur moi, tu sais. Je vais très bien. Maintenant, je veux que tu sortes de chez moi. Tu comptes beaucoup pour moi, tu sais. Je te dis de t'en aller, c'est bon. Mais... tu vois la porte, tu la prends. Mais attends, allez. Mais qu'est-ce qui ne va tu pas, Henri? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu me fais chier. Mais pourquoi tu me fais chier, Bérénice? Sors-moi le camp. Je veux t'aider, Henri. Gaspard, putain de merde. Comment tu vas la paix, bordel? Quand tu suis... Désolé. Je ne te referai plus jamais ça. Je ne savais pas qu'elle allait venir. Excuse-moi. Je suis désolé pour tout à l'heure.
Tiens, loin là ton dîner. Mais t'as ton putain de ton chien. Le voilà ton putain de ton chien. Tu vois ce que je vais en faire. Je vais finir ton dossier. Ah, il faut qu'il soit terminé pour demain ton dossier. Le voilà ton dossier. Il est terminé ton putain de dossier de merde. Henri ? Henri ! Ton dossier ! Ton dossier ? Ton dossier ? Tu veux voir ce que j'en fais ? Ton dossier, regarde ton dossier, le voilà ton dossier ! Tiens ton dossier, tiens ! Vous êtes viré. Débarrassez-moi ce plancher ! Immédiatement ! Foutez-moi le camp ! Qu'est-ce que vous avez à regarder ? Au boulot ! Thank you.
Allô? Allô? Je veux faire des tubes et que ça tourne bien.